immense que vous allez pouvoir accompagner de vos applaudissements sur le podium de présentation. Les voici en train de signer le retour de la signature à proprement parler dans ces championnats de France de l'avenir, notamment ici. Donc à Altkirch avec 8 représentants pour le comité des Hauts-de-France, avec Maxence Duc notamment qui sera au départ donc aux côtés d'Antoine Lotte. Alors attention à ce coureur nordiste de 18 ans qui évolue au sein de la formation des 4 ans AG2R, la mondiale dans la Conti, ancien champion de France junior à Saint-Martin-de-Londel. Il fait partie des coureurs cités parmi les favoris potentiels aujourd'hui. Il y aura également Hugo Anani au départ, Mathis Grisel, le Picard de l'équipe réserve de la Lotto Destiny qui s'est imposé sur le Tour de Bretagne et ancien vainqueur de Paris-Roubaix dans les ronds juniors. Il y aura Maël Zahem au départ aux côtés de Mathis Pichon. Lui a connu les joies d'un titre de champion de France il y a quelques années dans les rangs cadets en 2020. Et il y aura également Bastien Pichon au départ, lauréat la saison passée du Grand Prix de la Somme, et puis Nicolas Anvers pour compléter le collectif Hauts-de-France. Mesdames et messieurs, que vous pouvez applaudir, ils sont au nombre de 8 représentant les ambitions des Hauts-de-France. Et oui, et sous le regard de Pascal Sergent, que l'on salue, le président du comité régional des Hauts-de-France, hein, qui espère évidemment de son collectif, pourquoi pas, une belle médaille. Il y a de la qualité également, il y a les claquettes porte-bonheur de Mathis Grisel.